Donc le tonus aujourd'hui. Le tonus est une notion essentielle en psychomotricité. Elle est à la base de la communication verbale et non verbale et de la motricité globale. Il est modifié notamment par l'état émotionnel de la personne. Alors nous garderons bien en tête qu'aujourd'hui nous n'allons pas parler de pathologie, mais uniquement du tonus qui sera modifié. Donc tonus augmenté ou tonus diminué, on parle d'hypertonie ou d'hypotonie. Lorsque l'état de tension musculaire est élevé, il y a une hypertonie. Lorsqu'un bébé a faim, il pleure et se crispe. C'est un bon exemple pour se représenter l'hypertonie, même si nous parlerons plutôt de tonus augmenté. Les états hypertoniques ont lieu aussi lors de joies intenses, d'excitation, de curiosité, mais aussi dans des états de stress, d'angoisse et de colère. Lorsque le tonus est faible, il y a une hypotonie. Le tonus ne peut pas être un état de tension nul, à moins d'être mort ou paralysé. Les états d'hypotonie ont lieu dans les moments de dépression, de découragement, ou bien dans des moments de bien-être, de détente, de tendresse. Les nouveau-nés sont caractérisés par une hypotonie axiale et une hypertonie des membres. Contrairement aux prématurés, l'atonie est observée durant les phases de sommeil paradoxal. Cet état se situe entre la paralysie et l'hypotonie. Julien Guerra a introduit la notion de dialogue tonico-émotionnel. Pour lui, ce serait le reflet des états émotionnels de deux partenaires qui se transmettraient d'une personne à une autre via le tonus, en particulier chez le bébé. Très important le tonus. Bon, il est bientôt midi. Moi, je commence à avoir faim, alors bonne journée à tous. Mais en fait, t'as compris la différence, toi, entre le tonus d'action, le tonus de fond et le tonus postural? Parce que moi, je vois pas du tout la différence. Si, attends, je te retrouve ça. Je crois qu'il a le cours. Alors, en gros, le tonus de fond, c'est ce qui va permettre, entre autres, la cohésion de l'ensemble de ton corps. Ok. Le tonus postural, c'est ce qui va te permettre de rester debout, ou en équilibre dans une posture. Mm-hmm. Le tout pour le permettre de lutter contre la pesanteur. Mm-hmm. Okay. Du coup, le tonus d'action, c'est ce qui est présent quand des muscles participent directement ou indirectement à une activité motrice. Ah, ok, donc en fait, les trois sont liés. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. C'est pas distinct en fait, ils travaillent ensemble. Ok, merci. Mmh. Ah, mais merci. En fait, je vous ai pas raconté. Hier, ma mère a eu la visite de sa copine qui vient d'avoir un enfant et c'était hyper intéressant. On prenait le thé ensemble, on discutait. Bref, tout se passait bien. La petite gazouillait et était toute souriante dans les bras de sa maman. Tout d'un coup, elle reçoit un appel. C'était l'hôpital qui l'informait que son mari avait eu un accident. Alors, son visage s'est décomposé d'un coup. Tu me diras, c'est normal. Et la petite a commencé à pleurer de plus en plus. Sa mère essaye alors de la calmer, mais ça ne marchait pas. Son discours était complètement discordant de son langage corporel. Tu parles, sa petite avait bien ressenti sa raideur tonique, qui n'était pas là avant, ainsi que toute sa gestuelle et ses mimiques forcées pour cacher son angoisse subite. Mais c'était flagrant en fait, la force de ce dialogue tonico-émotionnel qui s'est joué sous mes yeux, ça m'a vraiment marqué. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et après du coup, elle a fait quoi? Elle est partie à l'hôpital? Ouais, mais elle nous a laissé sa fille, du coup, elle est venue la chercher plus tard dans la soirée.